Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet très intéressant, l'écriture et la lecture de fichiers CSV sur un support mémoire du LMC dans Machine Expert. L'objectif va être de mettre en œuvre deux function blocks de la librairie File Format Utility, l'un pour écrire, l'autre pour lire des fichiers CSV. Cette méthode que je vais vous présenter est complémentaire à ce que l'on peut faire avec le Recipe Manager et avec la gestion entre guillemets bas niveau des fichiers en utilisant les fonctions que l'on trouve dans la librairie System Interface. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est plus simple. Puisque toute la gestion des lignes, des séparateurs de champs est prise en charge directement par ces deux function blocks, par la librairie. Par contre, eh bien évidemment, ce que l'on gagne d'un côté, souvent on le perd de l'autre. Ce sont des function blocks qui sont moins performants que ce qu'on peut faire avec l'accès direct par System Interface, par la librairie System Interface. Alors, dans la majorité des cas, ça ne sera pas gênant. Par contre, si vous devez manipuler beaucoup de fichiers ou des fichiers avec des grandes quantités de données, ça ne sera probablement pas la méthode la plus efficace. Voilà, il faudra revenir vers des choses plus bas niveau. Dernier point pour cette introduction, les fichiers CSV sont écrits ou lus sur base de chaînes de caractères. Donc des strings, des tableaux de code ASCII, 8 bits. Donc nous allons voir comment mettre en œuvre ces fonctions d'écriture et de lecture à partir d'un projet vide, un programme par défaut dans Machine Expert. Nous allons voir la nécessité d'utiliser une tâche asynchrone lente de basse priorité. On ne travaillera pas dans l'habituel main machine à 10 millisecondes. Nous allons voir donc une petite aparté comment utiliser le module Functions and Function Block Finder avec un clic droit de la souris et pour rechercher ce qui est disponible dans l'ensemble des librairies à partir d'un mot-clé. Nous allons donc créer le fichier CSV, utiliser les fonctions int toString. Nous allons regarder le temps nécessaire pour l'exécution, l'écriture d'un fichier de 20 lignes, 10 colonnes. Et puis, de manière duale, nous allons lire un fichier CSV, utiliser donc la fonction duale string to int. Nous mesurerons le temps. Nous verrons l'influence de la périodicité de cette tâche lente basse priorité. Et enfin, nous terminerons par la lecture d'un fichier CSV directement créé par Excel. C'est parti. Alors en parallèle, je vais garder ici pour dans un rôle de copy master un fichier que j'ai préparé pour faire des recopies, ça permettra d'aller plus vite. Ceci dit, je vais partir donc de Machine Expert vide. Je vais créer un projet, New Project. Je travaille sur un LMC Pro 2, donc ici c'est bien la bonne configuration. Je pars du projet par défaut dans le lecteur Y et je vais l'appeler CSV. Comment j'avais appelé le précédent? Oui, CSV donc write read. Je vais l'appeler comme ceci. Donc vraiment, je pars d'un projet vide en langage structuré. Voilà, immédiatement je mets le masque de vérification des sorties à 0 pour ne pas être embêté plus tard. Voilà, pour les sorties ouvertes et les sorties
un court-circuit. Il y a ceci. De même, pour ne pas avoir de warning de compilation, j'ajoute tout de suite les poux for implicit check, toujours pratique. Je les ajoute. Add object. Poux for implicit check, je les prends tous. Voilà, je les range. Voilà, je vais vérifier que ma tâche va tourner. UI counter main. Uint 2. Égale 0. C'est une tâche par défaut à 10 millisecondes. Donc, counter égale counter plus 1. Et si counter supérieur ou égal à 100, alors je le remets à 0. Pardon. Counter égale 0, indif. Ça va me permettre de vérifier que ma tâche tourne. Donc, programme vide, je vais le charger ici. Bon, j'ai un souci de gateway. Je vais le faire d'une autre manière, en fast TCP. Voilà. OK. 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 Alors, ceci m'embête. Je vais désactiver la gestion des droits utilisateurs. Voilà, donc je me mets en run. Mon compteur passe bien à 0 toutes les secondes, c'est-à-dire tous les 100 appels, c'est bon, le programme tourne et je désactive Online Security Disable User Right Management. OK. OK. Ce qui fait que à présent, je peux me connecter. Je n'ai plus à rentrer le login mot de passe. Très bien. Voilà. J'ai une application vide. Tout est vert. Ma tâche tourne. Donc, nous avons vu que il nous faut créer une tâche asynchrone, lente, basse priorité. Pourquoi? Nous allons le voir tout de suite après. Ce sont des function blocks qui prennent beaucoup de temps. Hein. Il faut aller écrire sur la carte mémoire. Et dans ces cas-là, afin de ne pas encombrer, ne pas surcharger le programme principal de la machine, le programme d'automatisme principal qui lui doit être vraiment temps réel, rapide, sans retard, on va créer une tâche désynchronisée, lente, basse priorité, puisque lire ou écrire un fichier, on peut tolérer que ça prenne plusieurs centaines de millisecondes, voire plusieurs secondes, ce n'est pas du tout gênant. Par contre, encore une fois, ça ne doit pas bloquer le programme nominal qui gère les entrées-sorties, le motion, l'IHM, etc. Et on synchronisera ceci à l'aide de bascule RS, comme nous avons vu dans d'autres présentations. Donc, je vais créer une tâche. Je vais créer bon, déjà un pouls. On va appeler SR CSV CSV write read. Je vais copier ce nom-là. Donc je vais créer un programme unstructuré. OK. Je vais créer une tâche lente basse priorité. C'est non, c'est pas ici, pardon. C'est dans le gestionnaire de tâches, Add Object Task. Donc je vais l'appeler Task SR WriteRead, hein, homogène au SR Main. OK. C'est une tâche que je vais mettre à 100 millisecondes, cyclique, c'est-à-dire périodique, et sans watchdog. Alors, ceci, ça n'est pas à faire quand on fait du vrai temps réel critique. Ici,
ce n'est pas la partie temps réel, ce n'est pas la partie principale de l'automate, c'est une partie annexe qui sert à aller lire et écrire des fichiers. Pas besoin de watchdog. Le watchdog, c'est un petit peu un équipement de sécurité, de protection. Dans la mesure où on sait ce qu'on fait et où il n'y a pas de risque majeur, on peut s'autoriser à ne pas mettre de watchdog sur une tâche. Encore une fois, je ne parle pas ici de la tâche principale qui gère l'automatisme principal, le temps réel de la machine. Maintenant, on va régler les priorités. Le main machine, très souvent, on se met à 8 sur 31. Et celle-ci, volontairement, pour dire qu'elle soit de basse priorité, interruptible par tout le monde, je vais par exemple la mettre à 30. Donc elle pourra être interrompue quand ce sera nécessaire, si elle prend trop de temps. Elle pourra déborder puisqu'elle n'a pas de watchdog. Voilà, c'est comme ça qu'on définit une tâche lente, basse priorité. Maintenant, j'ajoute l'appel de ma tâche, donc qui pour l'instant est vide, donc CSV write read. Voilà. Ici, donc, je vais, ben, si je veux m'en assurer, je peux répliquer comme ceci mon compteur, hein, m'assurer que ça fonctionne bien. Donc, ça sera le compteur tâche lente. Voilà. Et donc, je copie, on va dire, mon compteur, mon bit de vie. Sauf que c'est cette variable-ci à présent. C'est une tâche à 100 milli, donc je vais remettre à 0 quand le compteur arrive à 10. Et je vais tester. Voilà. À peu près, hein, je me rends compte que le compteur repasse à 0 quand il arrive à peu près à 10. Voilà, ça bat la seconde. Très bien. Donc j'ai bien ce que je voulais, une tâche à 100 millisecondes. À présent, on va commencer par insérer le premier function block donc d'écriture. Alors, je vous ai parlé du function block finder, FFB, ici, clic droit FFB. Je ne sais pas comment va s'appeler mon function block, mais je suppose que dedans, je vais trouver le mot-clé CSV. Je vais rechercher. Et là, je vois deux function blocks de la librairie File Format Utility. Je vais commencer par écrire. Donc, je double-clique dessus. Le function block finder va premièrement ajouter la librairie, deuxièmement ajouter le function block. Alors, il l'ajoute un petit peu n'importe comment ici. Je vérifie déjà qu'il m'a ajouté la librairie. Oui. Voilà. Et mes function blocks et les structures que nous allons utiliser, je les retrouve ici. Alors, donc, il m'a rajouté ce function block. Je vais d'abord en déclarer un. Donc, je vais l'appeler FB CSV. Je vais l'appeler comme ceci. Vais mettre un séparateur de mon compteur de vie. Voilà. Et à présent, donc ça je vais pouvoir l'enlever, je vais faire un input assistant F2 avec mon instance de function block. Voilà. Un petit peu de cosmétique, vous me connaissez. Voilà. Ici, hop, je fais une sélection en verticale. Pareil ici. Et nous allons remplir. Donc, exécute, on va pas être très original. On va créer
ici ce bit-là que l'on va déclarer comme un booléen, que l'on initialise à false. Le chemin d'accès vers le fichier. Eh bien, ici, je vais déclarer une variable globale. Donc, je vais créer une GVL pour mes essais, mes tests de CSV. J'enlève le qualified only, je n'en ai pas besoin. Je sais que je vais avoir besoin d'une zone de constante. Pardon. La constante, je vais la mettre en premier. Je vais avoir besoin de séparateurs. Voilà. Alors, mon chemin d'accès. Alors, je ne vais pas être très original. Je vais aller le chercher dans mes notes. Je vais en prendre deux. Comme ça, vous aurez dans l'exemple les deux cas de figure. Donc, soit si je veux travailler sur la carte Compact Flash, je suis dans un LMC Pro, ou ça serait une carte SD sur un LMC Echo, ou bien si je veux travailler sur la clé USB. Voilà, ça vous permet comme ça de, eh bien de connaître les chemins d'accès par défaut, soit à la racine de la carte mémoire intégrée, Compact Flash ou SD Card, ou sur la clé USB. Pour ma part, je vais utiliser celle sur la Compact Flash. Donc je copie mon nom de fichier. Ici, c'est une constante pour les besoins de la présentation. Ensuite, j'ai besoin d'une structure write parameter. Alors, write parameter, je vais, si je regarde dans la librairie write, les paramètres pour write parameter, c'est une structure de ce type-là. ST CSV write parameter qui est ici. Alors, je vais créer une variable globale CSV write parameter que je vais déclarer ici. Et cette structure globale, juste avant l'appel du function block, je vais l'initialiser. Donc, on a vu qu'il y avait, pardon, 4 champs. Quels sont ces champs? Donc, en premier, j'ai le sdelimiter. Sdelimiter, c'est une string. Alors, très souvent, les fichiers CSV, on aime bien mettre un point-virgule. Attention, on est en ASCII, donc c'est le guillemet simple. Si on mettait le double quote, ça serait pour de l'unicode. Donc, chaque entité codée sur 16 bits. On est en ASCII, chaque entité codée sur 8 bits, donc c'est le simple quote. Donc, le délimiteur, on pourrait mettre une tabulation, une virgule, enfin n'importe quoi. Ici, on fait le choix que le séparateur de fichiers CSV sera le point-virgule. Le champ suivant, c'est le mode d'ouverture de fichier. Donc, le mode d'ouverture de fichier, on est habitué maintenant, quand on a des enumeration types, ça, la définition est dans la librairie, donc je mets le namespace, file format utility, point. Je mets l'enumeration type, et c'est un, pardon, ET, mode file open, point. Alors, on a deux modes pour cet exercice. Il y a soit le create, soit le create plus. Le create, si le fichier n'existe pas, il le crée. Si le fichier existe déjà, il génère une erreur. On va directement utiliser le create plus, qui le crée s'il n'existe pas, et qui le réécrit par-dessus s'il existe déjà. Encore une fois, on est sur une présentation, pas sur une vraie machine. Le troisième paramètre, c'est le nombre de lignes. Alors, nombre de lignes, et le dernier, ça sera le nombre de colonne. Alors, je retourne vers mon anti-sèche où j'ai créé
des nombres de lignes et de colonnes. Je recopie mes constantes dans la GVL. Donc je vais avoir 20 lignes, 10 colonnes. Eh bien, je le mets à jour. Donc c'est GC, CTRL espace, UI, nombre de lignes. Et c'est le même avec le nombre de colonnes. Voilà, ici, j'ai donc initialisé la structure write paramètre. Il me manque un point virgule. Voilà. Le champ suivant, c'est un timeout. Alors, on va déclarer le timeout ici. T timeout CSV. C'est de type time. Et on va l'initialiser à t dièse 10 secondes. Volontairement, je mets une grande valeur. On verra plus tard pourquoi. Ensuite, la table des valeurs à écrire. Donc, on retourne dans les librairies, dans l'écriture. Il faut déclarer une structure de type stcsv table qui est ici. Alors, on va commencer par la créer. Je recopie depuis mon copy master. Est-ce que je me trompe pas? Si, c'est pas celle-ci. C'est celle-là qu'on doit déclarer. Donc, c'est une structure de la librairie FFU de type stcsv table. stcsv table, c'est bien ceci. Et que faut-il initialiser dans cette structure? On a quatre paramètres. Un pointeur vers des données, le nombre de lignes, le nombre de colonnes et la taille de la table. Eh bien, allons-y. Alors, je recopie cette valeur, je reviens ici, on a quatre champs à initialiser. Le premier, on a dit que c'était un pointeur. Le deuxième, c'est... Alors, le deuxième, pardon. C'est le nombre de lignes, puis le nombre de colonnes. Ça n'a pas d'importance, hein, l'ordre dans lequel on le définit. Simplement, moi j'aime bien garder l'ordre de définition. Ça permet de faire des vérifications assez rapides. Alors, maintenant, on va initialiser. Alors, on va commencer par les choses simples. Le nombre de lignes et de colonnes, eh bien, on va le retrouver ici. Nombre de lignes et le nombre de colonnes. Je vais voir mon anti-sèche, désolé. Alors, dans la partie initialisation, voilà, c'est ça. Donc ensuite, il va nous falloir définir une table de string et sa taille. Donc, je vais le remplir. Et on va le définir juste après. Eh bien, cette table, c'est, d'ailleurs, il y a, j'ai fait une petite erreur, je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Voilà. C'est une table, en fait, à deux dimensions. C'est une table à deux dimensions, donc c'est un array.
C'est une table à deux dimensions qui va de 0 à nombre de lignes moins 1 et de 0 à nombre de colonnes moins 1 de chaînes de caractères d'une certaine taille. Alors, cette taille, volontairement, je l'initialise à 31. Alors, si je ne mettais pas une taille de string, je prendrais la valeur par défaut qui est de 80. C'est un petit peu long, hein, et puis il n'est pas inutile de prendre des habitudes de programmer, on va dire, efficace sans dépenser la mémoire dont on n'a pas besoin, une sorte de programmation frugale. Donc, je vais vouloir faire des strings de 32 bytes. On aime bien les puissances de 2 hein, en informatique industrielle. Et comme je sais que quand je déclare une taille de string, je rajoute toujours nécessairement à la fin un 0 de fin de chaîne, pour que ça n'occupe que 32 bytes, encore une fois, qui est une puissance de 2, je diminue de 1. Donc, de manière utile, je vais réserver 31 octets. Ça sera largement suffisant pour mon besoin. Donc, une table à deux dimensions, de 0 à nombre de lignes moins 1 et de 0 à nombre de colonnes moins 1, de string de 31 bytes. On voit apparaître ici, hein, quelque part, on commence à imaginer notre fichier CSV. Voilà, hein, on aura le nombre de lignes fois nombre de colonnes fois des chaînes de caractères. Alors, j'ouvre une parenthèse. Habituellement, dans Code 6, on va de 1 à n. Hein, aller de 0 à n moins 1, c'est plutôt une habitude du langage C. Donc, cas particulier, ici, on est plutôt dans un esprit langage C. Très certainement que la personne qui a développé ce function block avait plus une culture C qu'une culture Code 6. C'est pas gênant, il faut être à l'aise avec les deux notations. Voilà, donc on continue à compléter ici. Alors, comme je vous ai dit, j'avais fait une coquille, c'est un tableau de deux dimensions, donc c'est un array string. Je rajoute le A, je rajoute le A, et l'erreur va disparaître. Donc maintenant, il faut que je copie ici ma structure. Je vérifie que c'est bon d'un point de vue de mes notes. Voilà. Voilà. Et les autres, donc ce sont des sorties. Eh bien, on va tout simplement, enfin, on va tout simplement, on va pas être très original. On va recopier ça. Donc, allez, c'est parti. Donc ça sera un booléen. Ensuite, alors je vais copier-coller pour aller plus vite. On va prendre busy. On va prendre erreur. Ensuite, le etResult. Eh bien, on se doute que ça sera quelque chose qui vient de la librairie. Ça sera un enumeration type. ET result. Ensuite, ici, on aura quelque chose qui sera une string. Et enfin, on aura la taille occupée par le fichier pour information. Alors, j'aime bien toujours mettre ce qui est le plus volumineux en premier. Donc, je vais commencer. Voilà. La string, udint, uint, bool, le time on va le mettre avant aussi. Voilà, c'est une maniaquerie. Mais voilà, toujours garder à l'esprit d'essayer d'optimiser la façon de programmer, les tailles les plus importantes en premier. C'est un peu comme un jeu de Tetris, hein. On met toujours les plus volumineux en premier. Bien, eh bien, pour l'instant, je n'ai pas d'erreur. Alors si. Cannot convert. Non, c'est pas ça. C'est. Voilà. Il y a une indirection. C'est-à-dire qu'on ne met pas directement l'adresse de la matrice des strings, on met cette structure intermédiaire qui elle-même référence. Voilà.
Nous y sommes. Alors voilà, là ça compile. On va maintenant, eh bien, séquencer un petit peu tout ça. Donc case UI G7, on va l'appeler G7 C CSV off. On va le déclarer. Uint 2.= 0. Donc à l'état 0 par défaut, on va rien faire. On va commencer à l'étape 100 l'écriture. Donc au moment d'écrire, on va initialiser nos données. On va préparer le execute à true. On va passer à l'étape 120. 110, pardon. Voilà, en 110, cette fois, on va exécuter notre function block. Donc, je vais plutôt déplacer comme ceci. Voilà. Bon, et bien ça devrait fonctionner. C'est parti. Alors, il y a quand même quelque chose que je n'ai pas initialisé, c'est les données, pardon, à écrire. Effectivement, là on va écrire un tableau vide. Et bien, pour remplir ces données, c'est très facile. Je vais recopier pour ne pas perdre de temps. Donc je fais deux boucles imbriquées. Alors il me faut déclarer des variables. Uint, index row, row pour ligne, colonne. Donc au passage, on voit bien ici que on va de 0 à nombre de lignes moins 1, de 0 à nombre de colonnes moins 1. Et chaque cellule donc de ma table qui est une string avec les deux dimensions, je vais faire une conversion de uint to string. Je vais tout simplement multiplier le numéro de ligne par 100 auquel j'ajoute le numéro de colonne. Voilà. Donc là, ça va juste servir à mettre des données. Alors bien évidemment, dans un programme applicatif, on aurait des données entre guillemets intelligentes. Là, je mets juste des données pour m'assurer que j'ai écrit quelque chose. Voilà. Eh bien, c'est parti. Là, on s'attend à ce que le fichier se crée. Voilà, on va regarder au niveau des fichiers. Je suis à la racine, hein, là. On n'a rien. Le programme démarre, on n'a toujours rien. Eh bien, c'est parti. On va donc... Je vais passer en deux temps, on va dire à l'état 0. Si j'ai une bascule IQX create CSV, ou plutôt l'inverse, XCSV create Zen. Donc si j'ai cette bascule RS, je la remets à 0 et je passe ma machine à état à l'étape 100. Il me faut déclarer ma bascule RS que j'initialise à faux. Le programme tourne, je suis à l'état 0, je crée la bascule RS et je la lance. Je passe à l'étape 100 puis 110. Le function block est en train de s'exécuter. Le statut est OK.
Le fichier a été écrit et il fait une taille de 880 bytes. Si je vais voir les fichiers, il a été créé ici. C'est bien le nom que j'avais défini. Je vais créer ici, le recopier localement. Il arrive sur mon disque dur Y. Je vais aller le regarder. Il est ici. Je vais l'ouvrir. Voilà, c'est bien ce que j'avais défini. C'est 100 fois le numéro de ligne plus le numéro de colonne. Bon, ben c'est intéressant. C'est très intéressant. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller un petit peu plus loin. Il me semble que je vous avais parlé d'aller mesurer des temps. Oui, on va mesurer le temps d'exécution. Donc, à présent, on est toujours à l'état 110. Ce function block, maintenant, je vais arrêter de l'exécuter. Donc, je suis en done et je n'ai pas d'erreur. J'arrête de l'exécuter. Voilà. Et tout repasse par là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour sortir proprement de la machine à état? Eh bien, si. Si j'ai terminé, si j'ai terminé et que j'étais en train d'exécuter, alors je vais mettre le execute à 0, à false, pardon. Je vais relancer. Bon, c'est moyennement propre. Je vous laisserai faire mieux en fonction de vos points de vue. Et pour ne pas effacer le statut de mes dernières données, ici, je ne vais pas écraser. Je ne vais pas écraser les valeurs de sortie. Voilà. Donc je l'aurai exécuté une dernière fois pour qu'il redevienne propre et je peux revenir à ce moment-là à l'état 0. On va voir ce qu'il se passe. On va essayer. Donc on est toujours, on va se connecter en ligne, on sera toujours à l'étape 110. Et on va immédiatement revenir à l'étape 0. Non. Alors, je vais le faire à la main. On relance la bascule RS. 110. Et ça revient à 0. Ça marche bien. Tout simplement, par contre, maintenant, la bascule RS, je vais la resetter une fois que ça aura été terminé. Donc ici. Et ça va me permettre de mesurer le temps d'exécution. Donc je vais créer une trace. Trace CSV. Alors, qui sera configurée sur la tâche motion en microsecondes. Et on va analyser cette bascule RS. Tant qu'on y est, on va analyser ce compteur-ci. Alors, au lieu de le faire revenir à 0 toutes les 1 seconde, on va le mettre toutes les 20 secondes. Et volontairement, on va remettre ce compteur à 0 au moment où on va lancer la bascule RS. Donc, on va tracer ces deux données. Donc, en premier, la bascule RS, puis le compteur, et puis on va regarder également le graphset, la variable d'état.
C'est parti. Donc le compteur, là, il va gentiment jusqu'à 200. Ça n'est pas grave. On va mettre ici la bascule RS dans les watches. Et on va suivre la trace. Voilà, stop trace. Donc, le moment utile où on a demandé, donc on a ici la bascule RS. Voilà, ici la bascule RS. Là, on a le compteur qu'on a remis à zéro. Donc, on voit qu'il a fallu 14 appels pour réaliser l'opération. Et d'un point de vue de la durée, donc ça a ici duré, hop, deuxième curseur, ça a duré 1 seconde 5. Voilà, c'est relativement long, hein. On a un petit tableau, on a peu de données. 1 seconde 5 pour ceci, c'est long. On va faire mieux même pour mesurer le temps et ça permettra de faire un petit rappel. On va aller lire directement le timer et je fais un clin d'œil à mon collègue Arnaud qui a récemment fait plusieurs tutoriels sur le sujet. Donc le timer, on va le trouver ici, timer 1, c'est du dint qui compte les millisecondes. Donc dint, on va l'écrire ici, di timer 1 1 dint, on va copier-coller pour timer 2 et timer delta. Donc on va aller lire le timer 1 au début. LMC pipedrive.timer 1. On va aller le lire à la fin. Timer 2. Et on va calculer le delta. Timer delta égale timer fin moins timer début. Les méthodes très très microcontrôleurs, ça. Et on aura la valeur précise en millisecondes. Donc on a vu à peu près 1 seconde 5 sur la trace. On le refait. Voilà, 1400 millisecondes. Encore une fois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Volontairement, on va passer à 10 fois plus de lignes. Donc, on peut s'attendre. Et je fais un download pour repartir à zéro. On peut s'attendre potentiellement à 10 fois plus long. On va le vérifier. On relance la trace. Voilà. Stop trace. Et on a mis combien de temps? Timer delta, on a mis 4 secondes 4. Encore une fois, c'est long. Encore une fois, c'est long, 4 secondes 4. Je vous ai parlé de vérifier. Alors, on va quand même regarder le fichier généré. On va pas s'en empêcher. Donc, je fais une mise à jour. Voilà, on est passé cette fois à 10 kilos, hein, de taille de fichier. Je recopie. On doit d'ailleurs retrouver cette taille ici. Voilà, 10 880 bytes. On va les retrouver au niveau du fichier, 10 880. Et si on ouvre, on s'attend à retrouver nos 200 lignes. 200 lignes. Voilà, alors, oui, c'est ça. Effectivement, on a bien 200 lignes. Voilà, bon, ça marche relativement bien, c'est fiable. Voilà. Je vous ai parlé de l'influence des temps de tâche. Donc on va rajouter, ouais, on l'a.
Ma tâche qui était donc qui est actuellement à 100 millisecondes, je vais la passer maintenant à 50 millisecondes. On va voir quelle sera l'influence. Donc, je rappelle, 4 secondes 4 quand je suis à 100 millisecondes. Quand je vais être à 50 millisecondes, alors on modifie l'architecture temps réel, donc on est obligé de passer par un download. On recommence. On relance la bascule RS. 2 secondes 3. Donc on n'a pas tout à fait divisé par 2, mais on a amélioré les choses. On a le temps d'écriture sur la mémoire flash aussi. On a également le nombre d'appels. Donc on peut presque avoir une corrélation. Le nombre d'appels peut pratiquement rester le même. Plus on ira vite, moins on mettra de temps. Hein. La palisse n'aurait pas dit mieux que ce que je dis là. Ceci étant dit, une tâche lente basse priorité n'a pas, ne doit pas, je dirais sur un plan philosophique, ne doit pas être appelée rapidement. Voilà. Moi j'aime bien une tâche lente basse priorité, une tâche qui va gérer des fichiers de récipients, de configuration, tout ça. J'aime bien les appeler à 100 millisecondes. Encore une fois, ça sert une fois la mise sous tension et sur demande pour modification. Ça n'est pas appelé très souvent, on peut se permettre de prendre un petit peu de temps. Et encore une fois, que ce soit 4 secondes ou 2 secondes, c'est toujours beaucoup plus long que si on appelle les fonctions bas niveau de la librairie système interface. Voilà, c'est un choix. Soit on veut de la puissance, de l'efficacité et il faudra coder un petit peu plus, soit on veut passer moins de temps à coder, à débugger, mais il faudra accepter que ça prenne un petit peu plus de temps. Donc, nous avons fait la première partie, l'écriture du fichier. Nous allons faire de la même manière maintenant la lecture. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite à présent. Je vais reprendre ici mon Function Block Finder et je vais chercher toujours pareil quelque chose qui va être qui va contenir le mot-clé CSV. Et je vais trouver le read. Je fais de la même manière, je vais déclarer mon function block. Je vais l'appeler de manière homogène FB CSV read. Je vais le remplacer ici. Un peu de cosmétique. Alors, vous commencez à me connaître, je suis un petit peu maniaque sur ces aspects de cosmétique. Pourquoi je fais ça? Parce que souvent, souvent, en codant comme ceci, on peut trouver des bugs d'écriture que l'on voit facilement quand on fait un minimum d'efforts sur la mise en page du programme et qu'on peut ne pas voir quand on ne le fait pas. Donc, on pourra pas à la fois lire ou écrire, on va faire qu'un à la fois. Donc, le execute, on va pouvoir s'autoriser à ce que ce soit le même. Le fichier de passe, là aussi, on va pouvoir s'autoriser à ce que ça soit le même. Je vais coder à l'envers. Don't busy error, on peut reprendre les mêmes. Result et message aussi. Alors, don busy error result message. File information, ça va être un différent. Les autres également. Alors, la table de read value. Allez, je l'ai fait dans l'ordre. Je l'ai fait dans l'ordre. Le read parameter. Eh bien, on va aller voir. Donc, je vais browse go to definition. Le troisième paramètre, stcsv read parameter. stcsv read parameter, il est là. On en a quatre. On en a quatre. Eh bien, allez, j'ai pas le choix. Il me faut le refaire. Alors, on va prendre une structure globale.
st read parameter. Read parameter. Et on va les compléter. On a quatre éléments. 2, 3, 4. Le premier est délimiteur. Bon, on va pas être très original. On va prendre le même, c'est souhaitable. Donc le délimiteur ce sera un point virgule. Ensuite on a le etReadMode. Donc comme on a vu tout à l'heure, c'est dans la librairie FileFormatUtility, on met son namespace. Point, c'est une énumération. Par contre, cette fois, ça n'est pas un mode file open, c'est un CSV mode read. Et on va prendre all value. Je vais sur mon anti-sèche. Je vérifie ce que j'ai mis. Oui. Read all value. Ensuite, on va trouver le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors, je vous encourage toujours à passer par des constantes. Ça permet de vous assurer que vous avez les mêmes aux deux endroits. Hein ? Vous passez par des constantes. Vous êtes sûr, et à la lecture et à l'écriture, d'avoir les mêmes. Pour ne pas perdre de temps, je reviens ici à 20 lignes fois 10 colonnes. Donc, le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Voilà. Point virgule. Et ma structure read parameter, je peux la mettre ici. Le timeout, on va mettre le même, 10 secondes dans un premier temps. Tout à l'heure, on ira vers le bas pour montrer ce que c'est qu'une erreur de timeout. La table de lecture des données. Allons voir dans la librairie. Donc, la table CSV table. Bon, ça, c'est la même que pour l'écriture. Donc, on va reprendre rigoureusement la même. On va surtout s'efforcer de la réinitialiser. Voilà, même si c'est la même qu'à l'écriture, n'oublions pas qu'on peut faire la lecture sans avoir fait l'écriture au préalable. Ça, c'est très important. Voilà, donc ici, on va pointer sur la table de dimension de string, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, le size of. Ici, c'est bon. La structure d'information. Eh bien, CSV file information, c'est quelque chose qui va nous renvoyer, voilà, des informations sur le fichier. On va aller le déclarer dans les globales. J'ai st file information ffu.st csv file information, pardon. GST et pour être cohérent, les structures les plus volumineuses en premier. Donc cette table ici, je vais l'utiliser en sortie. Et puis CSV warn value truncated. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Alors bon, ça, tel que je le comprends, c'est certainement dans des cas où les paramètres nombre de lignes, nombre de colonnes ne correspondent pas à ce qu'on va lire. Bon, on va pas trop se poser de questions. Alors, ffu.st warn value truncated, c'est bien ça.
Oui. Alors, je vais créer le même nom. GST. Et recopier ceci ici. Est-ce que ça compile? Oui. Eh bien, allez, je vais ajouter ça à présent dans la machine à état. Donc, je vais créer une étape 200. Une étape 200. On initialise. Et volontairement, je vais remettre à zéro ma table de string. Donc, je parcours tout et comme valeur par défaut, eh bien, je vais mettre par exemple un underscore. Alors, de même, à présent, je vais créer une structure avec des valeurs. Donc, ça va être la même taille, mais ça sera une array of uint. Of uint. Et je vais initialiser la même table avec la valeur 0. Voilà. Initialisation propre, comme ça, je suis certain que ce que j'aurai lu, ça ne sera pas d'une valeur précédente. Une fois que ceci est fait, on peut lancer le execute et passer à l'étape suivante. On va aller à l'étape 210. Et à l'étape 210, on va exécuter comme ceci la lecture. Et pour l'instant, on va s'arrêter là. Alors, comme je vous ai dit, je suis revenu à une taille de 20 par 10. Donc, je vais d'abord recréer le fichier pour être sûr de bien relire les mêmes choses. Je le recrée. Je voudrais également revenir à 100 millisecondes. Important, oui. Voilà, je le recrée. 1500 millisecondes et c'est un fichier d'une taille de 880 bytes, ça paraît cohérent. Voilà, j'ai bien écrasé le précédent. Je recopie et si je l'ouvre, voilà, j'ai bien 20 lignes fois 10 colonnes. Voilà, je suis revenu à ce que je voulais. Alors, il me manque la bascule RS pour déclencher la lecture. Donc ça va être une bascule RS read. Je vais aller à l'étape 200 et dans un premier temps, je vais remettre la bascule RS à false ici. Bien sûr, il faut la déclarer. Et puis, je vais mettre un point d'arrêt au moment de l'initialisation. D'ailleurs, je ne vais même pas initialiser à 0, je vais initialiser à 999.
on va ajouter en variable ici. Il faut être connecté. Et puis peut-être un point d'arrêt. Je vais déplacer ceci pour pouvoir mettre un point d'arrêt juste après. Point d'arrêt, c'est quelque chose qui est plus du langage de l'informatique industrielle que de l'automatisme. On n'aime pas trop en automatisme utiliser les points d'arrêt. C'est bon, on ne le fait pas en général, mais c'est pas gênant. Donc je mets un point d'arrêt en appuyant sur F9 ou ici clic droit New Breakpoint. Non, alors si je fais F9, ouais, F9. Et puis je vais visualiser le tableau de string et le tableau des entiers. Donc, je vais mettre la bascule RS de read. Donc, dans ma table ici, j'ai des zéros partout pour les nombres et pour l'écriture, j'ai ce que j'avais précédemment à l'écriture. Je lance une lecture. Dans le tableau des strings, partout, j'ai des underscores. Dans les tableaux de nombres, partout, j'ai 999. C'est bien ce que j'ai voulu. Et bien maintenant, je continue. F5, je relance. Et puis, le CSV, il est passé à OK. Il a lu. Si je vais voir les données de file information, il a lu 880 bytes, il a lu 200 valeurs, 20 lignes x 10 colonnes. Et la table incohérente est à faux. Bon, ben c'est assez intéressant comme information, c'est ce à quoi on s'attendait. Et si on va voir cette fois les données, eh bien, on retrouve... Alors, je n'ai pas les valeurs numériques, par contre, j'ai bien les valeurs littérales. Alors, on va, comme tout à l'heure, continuer, c'est-à-dire que si on a terminé, donc, alors j'enlève forcément le function block de write, si c'est terminé et que... Pourquoi il me manque des indentations là? J'ai une coquille. J'ai une coquille ici. Tac, ici. Oui, ici je suis allé un coup trop loin. C'est ça. Voilà. Donc, quand j'étais en exécute et que c'est terminé, je relance une fois le function block pour le clôturer proprement. Là, par contre, je dois décaler et je ne surefface pas les données. J'oublie pas les points, les virgules. Voilà. La bascule RS de read est terminée ici, donc elle n'est plus terminée au début. Ça, je peux l'enlever. Le graph 7 revient à 0, le temps de tâche, etc. Alors, à présent, il me faut également donc convertir mon tableau de string vers un tableau de valeur. Mais tout simplement, c'est une double boucle. C'est une double boucle où je vais dire que ma valeur numérique, est égale à un string to uint de la chaîne qui aura été lue. Bon, ça devrait fonctionner. Voilà. Et ça devrait fonctionner.
Alors, je vais également faire une trace avec. Je vais rajouter cette fois la bascule RS de RID. Voilà. Donc, je relance la trace. On se souvient, on avait bien la table en ASCII, mais on ne l'avait pas pour les valeurs numériques. Je ne sais pas où je suis parti. C'est pas ça. Le graphe d'état, il est revenu à 0. On va le refaire. Je remets le point d'arrêt ici, F9. Read. Mes valeurs sont bien toutes à 999. Je relance. Et là, cette fois, j'ai bien les bonnes valeurs. Voilà. Je vais le refaire une fois directement sans m'arrêter pour mesurer le temps. Lecture. Voilà. Une seconde 2 pour lire toutes mes données. Pardon, les données qui sont ici. Voilà, on va de 100 en 100 en chaque ligne. On est quasiment à la fin de l'objectif, hein, si on revient sur ce qu'on voulait faire. La dernière partie, on va lire un fichier CSV créé par Excel. Donc, je vais ouvrir ici un fichier de test. Je vais effacer ici My CSV file volontairement. Donc, j'ouvre mon fichier de test, où cette fois, au lieu d'aller de 100 en 100, je vais de 200 en 200, et au lieu d'aller de 1 en 1, je vais de 10 en 10. Eh bien, ce fichier, je le sauvegarde au format CSV, enregistré. Je referme. Je vais regarder éditer. Donc, j'ai bien un fichier texte avec des séparateurs de points-virgule. Ça a l'air correct. Je vais à présent lui donner le bon nom de fichier, c'est-à-dire mycsvfile.csv. Et bien sûr, je vais le recopier sur la carte mémoire. Je me reconnecte. Mise à jour. Le fichier donc qui faisait à l'origine 880 bytes, à présent, c'est normal, les chiffres sont plus grands, il fait 983 bytes. Je recopie. OK, j'écrase. 983 bytes et je vais relire. Je remets la trace, ouais, je vais relire le fichier. J'ai bien ici les valeurs 999. J'ai un bel effet démo. J'ai un bel effet démo. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? File invalide. Bon, c'est un effet démo. Alors, pourquoi byte order? Alors, pourquoi? Alors, on va l'appeler celui-ci from Excel. Bon, on va bien le trouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors peut-être, il y a peut-être des fins de ligne ou un truc comme ça. Alors, le graphe 7, on va le forcer à 0. Non, on enlève le execute. Il faut enlever la bascule RS.
et on revient à 0. Voilà, je vais le recréer, create, pour après le comparer. Et je vais même faire mieux, je vais même faire mieux. Donc, on va de 200 en 200 et de 10 en 10. Je vais le créer rigoureusement identique. Ça veut dire que pour le créer, c'est ceci fois 200 et numéro de ligne plus 1 et le numéro de colonne fois 10. Je vais le créer de manière rigoureusement identique. Je le recrée. Je vais aller le lire pour pouvoir le comparer. Et maintenant, je vais comparer celui généré par le LMC de celui original. Alors, comparer par contenu. Pas de différence. Ou alors je la vois pas. Alors 960 et 983. Il y a 23 caractères de différence. Je ne serais pas surpris qu'il y ait des différences de fin de ligne. Je ne serais pas surpris qu'il y ait des différences de fin de ligne. Allez, on va aller vraiment très loin. Donc ici, on va afficher de l'hexadécimal. Celui-là, c'est celui du LMC. Et celui-là, c'est celui F3. Donc, à gauche, j'ai le Excel, à droite, j'ai le LMC. Alors, les fins de ligne. Ici, j'ai un 0A. Un 0A, et ici. Et ici, et ici, et ici, 0D, 0A. Voilà. Donc, le Excel considère un 0D, 0A en retour chariot, alors que le LMC ne considère que le 0A. Bon, c'est le problème des conversions DOS et UNIX. Bon, ben c'est comme ça. Alors peut-être que dans le fichier Excel, on peut ne mettre que le 0A en fin de ligne. On va voir. On va voir. Enregistrer sous. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux réouvrir le test fichier. Enregistrer sous. Plus d'options. Bon, je vais pas user le soleil. Voilà, ce qui compte, c'est que on sait que ça vient de ce séparateur de lignes. C'est malheureusement fréquent. Encore une fois, je vais pas user le soleil. Voilà, je l'avais pas préparé. Les erreurs viennent toujours de ce qu'on ne prépare pas. On sait l'expliquer. Voilà,
il faudrait reprendre le fichier à la main, convertir ces 0 à 0D par uniquement des 0D, hein, pour se mettre vraiment pareil. Voilà, je ne vais pas user le soleil, j'ai pas pu montrer qu'on pouvait ouvrir un fichier Excel directement, il faudrait trouver l'option qui va bien, etc. L'important, c'est de comprendre d'où vient la différence. Voilà, je suis allé très loin, je suis allé dans l'édition vraiment hexadécimale des fichiers. Bon, je suis allé relativement droit au but parce que c'est des choses habituelles, c'est des choses qu'on voit souvent. Les retours chariots, quand on utilise des consoles, des liaisons séries, on a souvent ces différences. Peu importe. Ce que je vous ai montré et qui par contre marche très très bien, c'est l'ouverture et la fermeture par le LMC lui-même. Ce qui marche bien, c'est l'ouverture d'un Excel d'un fichier généré par le LMC. C'est déjà pas mal dans un premier temps. Peut-être qu'en fouillant un petit peu dans les options, on doit pouvoir générer la bonne séquence ou utiliser la bonne séquence 0 à 0D. Voilà. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est 1. La relative facilité de mise en œuvre de ces fonctions de bloc d'écriture et de lecture. Et 2. Comme je vous l'ai dit, ben, l'impact, quand on gagne d'un côté, il faut souvent accepter de perdre de l'autre. C'est philosophiquement une règle assez fréquente dans la vie de tous les jours. Voilà, donc ce qu'on gagne en facilité, on le perd en temps d'exécution. Mais voilà, c'est probablement acceptable dans beaucoup de cas. J'ai été un petit peu long, j'ai été très détaillé, mais voilà, je voulais surtout vous montrer que comment arriver à ça en partant vraiment de la feuille blanche. Voilà, donc quelque chose qui s'oriente plutôt à des gens qui ont un profil débutant. Où j'ai vraiment détaillé tout ce que j'ai fait dans cette présentation. Je vous remercie.